Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va ouvrir deux colis, oui, deux colis envoyés par l'abonné Chris, un abonné du coup que je connais depuis octobre 2022 et qui pendant l'année 2023 m'a envoyé par 3 ou 4 fois des colis avec des cadeaux dedans. Donc voilà, une fois de plus, merci Chris pour ces colis, je ne suis pas sûre de les mériter, mais si tu me les envoies, si tu considères que c'est le cas. Donc on va les ouvrir ensemble. On va commencer par le plus petit. Petit, hein? Oui, bien sûr. Donc, il m'avait prévenu qu'une fois de plus, il n'y avait pas de lettre parce que c'était pas dans son délire d'écrire une carte, expliquer les choses et tout ça. Il est plus à donner les trucs et puis démerde-toi. Ah si, ok. Je croyais que le carton était une blague. Le connaissant, il est capable de faire des trolls comme ça, donc du coup, je croyais que le carton était... Waouh! Attendez, je pose. Ah ouais! Le repose manette ou téléphone Stitch version Elvis. Stitch as Elvis. Waouh! Allez, canon! Hop là! Le truc il s'est cassé à mon avis pendant le trajet. C'est pas grave. On va dire que c'est pas. Ah merde, il est. Bon. Au moins vous voyez mieux. Il est juste trop beau. Incroyable. Bon, je ne sais pas où je vais le mettre. Mais il est trop beau. Waouh, truc de dingue. J'avais montré il y a peu que j'avais vu un Stitch comme ça repose manette et puis il m'avait demandé si j'allais me l'acheter. Je lui ai fait non parce que j'ai d'autres choses un peu plus importantes à acheter qu'une figurine de Stitch. C'était pas en Elvis, je crois qu'il était en normal. Ensuite, non, ça c'est juste du carton. Okay. Ensuite du coup on a le fameux petit troll, c'est donc un puzzle Mickey Mini. De Noël, ok, en 36 pièces. Ah oui, d'accord. Le truc s'est ouvert, je pense, pendant le trajet. Voilà. Ça s'est ouvert, à mon avis, pendant le trajet. Bref. Bon. T'as vu l'illustration, c'est le plus important. Et ensuite, il y a ceci. Oh, stylé. Est-ce que tu es au courant que je ne bois toujours pas de boisson chaude? Parce que je viens de voir que c'est une tasse. Et une tasse qui change en fait d'apparence si tu mets de l'eau chaude dedans. Donc en fait c'est... Oh, je vais vous la montrer. Je suis en train d'essayer de vous expliquer. Mais en fait c'est Harley Quinn dans sa tenue rouge et noire. Moulante là. Et il y a le ha 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 qui apparaît si on met de l'eau chaude. Ah oui, d'accord. Oh, j'avais jamais vu les tasses comme ça. Ok. Et il y a le logo aussi Harley Quinn qui apparaît si on met du chaud. Donc là, tu vois, on peut voir justement le logo là. Voilà. Et les ha-ha ici par exemple. Et là, du coup. Elle est trop belle. Elle est canon. Waouh, voilà. Wow, elle est imposante. Ah mince, je sais pas si vous la voyez un peu. Allez, hop, voilà. Elle est plutôt stylée. Bon, on va attaquer au deuxième colis. Je l'ai pré-ouvert. Juste à savoir que quand j'ai pré-ouvert, comme il y avait le scotch du carton qui collait partout, ça a collé en fait un des cadeaux qui s'est pré-ouvert, on va dire ça comme ça. Je vous montre un petit peu. Oui, tous deux. Voilà. Et donc, c'est du papier cadeau Spider-Man. Parce qu'il m'avait montré des cadeaux qu'il avait fait à un ami. Il y avait le papier cadeau Spider-Man. J'avais rigolé. Ça a l'air d'être une tenue. Ok. Ok.
ici, il a été acheté. What? C'est quoi? Une extension, ok. Oh, c'est trop mimi, mais c'est un pyjama. Non, c'est un pyjama chaud, trop bien. Est-ce qu'on sent le gars qui est tout en frileux? Alors, je tiens à préciser au fait que ici, si souvent, du coup, l'hiver, je renifle, que j'ai le nez qui coule ou quoi que ce soit, je sais pourquoi, parce que j'avais déjà vérifié l'an dernier, mais si je ne mets pas le chauffage 2 heures ou 3 heures avant de commencer à tourner, donc le matin vers 10 heures, il fait 9 ici, ou 8, et au max, il fait 12. Voilà. Oh, une tenue de lutin. Oh, mais j'adore. Et le pantalon en taille M, c'est parfait, parce que ça a dû être pris chez les hommes en plus, je pense. Peut-être chez les femmes, mais c'est pareil. Oh, je suis refait. Alors, je porte... Alors, on est le jour où je filme, juste au passage, on est le 20. Je vous montre mon pantalon de pige. Voilà. Et j'ai eu le t-shirt aussi, c'est un taille L, c'est la marque Gémeaux, et qui date... de décembre l'an dernier, sauf qu'en fait c'était de base Amandine qui l'a offert à mon père, sauf que mon père ne rentre pas dans du L homme, moi je rentre largement, donc voilà, là je suis refait. Je n'ai pourtant pas parlé de ça. Je suis en train de me poser la question si je lui ai déjà parlé que j'avais envisagé un jour de m'acheter une tenue, un déguisement du coup d'elfe du Père Noël. Je pense pas lui en avoir parlé. Bon. En tout cas, je suis refait. Je suis refait. Quand j'ai montré ça à ma mère, elle va me dire, mais il est pété ton abonné. Il t'offre carrément un pyjama chaud. Ouais. Oh, j'ai les princesses Disney. Oh, un petit cadeau. Alors, par contre, on commence. Il n'y a pas de numéro. Ah. Ça, c'est où? Ça doit être peut-être une peluche ou autre chose, hein. Tu es en train de me dire, imagine, c'est encore un pyjama style, une partie d'une tenue. Oh, mais oui! Moi, je l'adore. C'est les petits conseils qu'on pouvait retrouver à Auchan si on faisait, je crois, 30 euros d'achat ou un truc comme ça et tu les avais pour pas très cher. Sauf que je n'ai jamais pu les avoir parce que je n'ai jamais, à chaque fois que je fais mes courses, j'en ai jamais pour 30 ou 40 euros. Donc, voilà. Là, là, il y a un autre papier cadeau Spider-Man. Alors, ensuite, ça, c'est très très bon. En plus, ça la met chez mon Pokémon feu préféré. Non, mais j'en peux plus. Vous allez me mettre déjà en commentaire quel est votre cadeau préféré. Et vous allez me mettre un truc quand même, parce que là, c'est vraiment l'abonné le plus généreux du monde. Mais c'est incroyable d'avoir... Franchement, je ne mérite pas. Donc là, c'est en taille M. Ok. J'adore. C'est quoi? Alors, c'est Stitch et je ne sais plus. Et le dragon, j'ai le truc. Say different, stay weird. Être différent. C'est cool, un truc comme ça, sûrement. Bon, enfin bon, j'adore. J'adore. En plus, Stitch, ils ont la tête en bas là, quand ils font ça. J'adore quand Stitch fait ça. Attends, mais en plus, c'est bleu nuit. Et cette année, je veux vraiment m'acheter pas mal de vêtements bleus. Parce que déjà, c'est la couleur des autistes. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est une couleur que je n'ai pas beaucoup. Ouais, là, on verra que des culs. Si je le porte en vidéo, on verra des culs. Mais voilà, c'est une couleur que j'ai pas beaucoup et que je veux avoir en vêtements et accessoires. Et en plus, c'est trop cool. Mais merci, vraiment. Oui, je fais presque la même tête à chaque fois que je suis sur le point d'ouvrir un truc. Mais vu comment est l'abonné, c'est possible que ça soit tout et n'importe quoi. Ah, d'accord, ça, c'est les petites bêtises. À chaque fois, il met toujours des petites bêtises. Donc là, c'est en fait pour faire un moule, je pense, j'allais dire en ciment, mais non, mais enfin, on voyait un truc comme ça. Pour faire une licorne et après la peindre. Mais c'est trop cool, mais je vais le faire. Hein. Je vais peut-être faire une petite vidéo style ASMR sur mon autre chaîne en faisant ça. Ah, voilà, il m'avait parlé de chocolat. Il m'a pris des chocolats pas de patrouille. Et je suis
Oui, si, j'ai dû vous le dire. Je sais plus si c'était dans cette vidéo ou la vidéo achat que je viens de filmer. Mais en fait, il y a mon neveu qui est en train de jouer à Rummikub, qui est un de mes jeux préférés, avec ma mère. Et il m'a un petit peu engueulé en me disant: Ouais, mais tu joues pas avec moi. J'ai fait: Bah oui, mais il faut que je bosse. Ouais, tu bosseras un autre jour. Je peux pas en fait là. Et bon, il est que 14h, mais tout à l'heure, on va prendre le goûter et on va tester les chocolats Pâtes Patrouille. Là, chocolat au lait. Ok, je termine par le plus gros en dernier. Hein. Là, ça, c'est une figurine, je pense. C'est lourd, ça a une forme chelou. Eh ben, dis donc, t'as de la chance, il n'est pas arrivé cassé. C'est un. Ça vient de, je pense, de Action, si je dis pas de bêtises. T'as juste le socle là, qui s'est désossé. Je sais pas si c'était. Ouais, bon. C'est un chien de no... une petite décoration de Noël avec un petit chien. Ça doit venir, je crois, de Action, si je dis pas de bêtises. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver. Sachant que souvent on retrouve les mêmes choses d'une année à une autre. Voilà. Et ah oui, c'est sa petite écharpe ici qui brille. Faut trois piles. Attends, c'est trois piles comment? Faut des piles? Ah oui, non, c'est une pile L machin. Là, en fait. Ah putain, ça me saoule que ça soit décollé, ça. Voilà. Bon, je vais te mettre là. Ah, il y a même. Oh non, j'avais pas vu. Il y a aussi sur son pompon. Et il y a sur son petit dos. Mais c'est trop mignon. Non, on le voit pas assez. Je suis désolée, on le voit pas assez. Alors, le panda, tu vas là-bas. Toi, tu vas ici. Et toi. Par contre, il va falloir que je te donne un nom. Là va être le problème. Il va falloir que je te trouve un nom. Le dernier cadeau. Alors, à savoir, alors là, je pense que c'est une figurine. Juste à savoir, pour la tenue d'elfe, je me la suis jamais achetée parce que j'attends d'être au minimum de mon poids, au plus bas possible, pour pouvoir me l'acheter pour qu'elle serve plusieurs années. Voilà. Mais, comme je suis inscrite à la salle, tu vois le gars qui essaye de ne pas se spoiler? Est-ce qu'elle est là, en fait, la figurine? C'est une figurine de Rem que je crois que je l'avais mis. Alors, je sais plus si je l'ai mis dans ma wishlist de Noël, mais je l'ai mise récemment aussi dans mes photos de trucs que je voulais avoir. C'est une petite figurine de Rem assise sur une chaise et je la trouve juste trop mignonne. Elle est très relax time, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Je trouve que c'est une figurine, moi, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais quand je la vois, c'est une figurine qui me relaxe, qui m'apaise justement. Voilà, je trouve, je sais pas, je ne saurais pas expliquer. Est-ce que c'est la tenue, l'ensemble, mais elle dégage quelque chose qui me relaxe. Voilà. Alors, j'essaie juste de voir s'il n'y a pas marqué sa taille. Donc, cette figurine, on ne va pas l'ouvrir maintenant parce que bon, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Mais je l'ouvrirai dans une vidéo à part parce que tout simplement, comme ça, bah, je sais qu'il y a des gens qui regardent que les vidéos, par exemple, ouverture de figurines et qui ne vont pas forcément regarder celle-ci, ouverture de colis cadeaux, etc. d'abonnés. Et j'ai aussi deux autres figurines de Yu Yu Hakusho à ouvrir, donc je ferai aussi une autre vidéo plus tard. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas du coup à me dire quel est l'objet que tu as préféré. Donc je fais un récap, il y a le Stitch porte-manette, il y a la figurine du coup de Rem, il y a le pyjama elfe, enfin ou lutin comme tu veux, le t-shirt du coup Stitch. La figurine chien, la tasse du coup Harley Quinn. On a aussi le coussin Salamèche, qui est mon Pokémon préféré en plus qu'il y avait dans le lot. Et il y avait aussi du coup le puzzle de Disney Noël. Voilà. Donc je te mets la précédente vidéo du colis du coup de Chris et la playlist où tu peux retrouver du coup tous les colis d'abonnés. Sur ce, bye bye et à bientôt!